suis prêt quand vous voulez. Hein. Yeah, ça sera pas très long. Allez, Parisien, on est prêt quand t'es prêt. Donc, mesdames et messieurs, le seul et unique Parisian player qui va nous faire Street Fighter 2, les yeux bandés au setting le plus difficile sur Super Nintendo. On va juste attendre peut-être que le Lip Sync Battle se calme le pain un peu. Donc, donne-toi une petite 30 secondes. Puis quand t'es prêt, on part le timer sur ta marque. Ok, ben avant de commencer. Bonne chance, Parisien. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais quand même évoquer 2-3 trucs sur cette run. En fait, c'est une catégorie qui va être faite en difficulté de plus important. Quand j'ai commencé à runner cette catégorie, il y avait un combat qui était particulièrement difficile, qui était Ken. Et on va commencer par le combat Ken avec de la RNG manipulation, qui va me forcer à resetter le jeu au début. Ce qui fait qu'au niveau du timer, ça va être un peu compliqué, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Vous commencez le timer à peu près quand vous voudrez. Mais ce qui fait aussi que si jamais je meurs contre Ken, je vais resetter la console. Bon, je vais rebooter pour éviter de ce mot-là, pour récupérer ce combat-là et surtout la RNG qui va avec. C'est une stratégie qui m'a été montrée par quelqu'un sur un stream et qui fonctionne très très bien. Et ça facilite grandement le travail de Ken parce que sinon c'est un des combats les plus difficiles. Pour vous dire, ma première complétion de cette catégorie-là, Ken m'a pris 35 minutes sur un run total d'1 heure 35. Donc je vais commencer maintenant. Je commence en... Le setup consiste à resetter la console donc. Donc on est bien au niveau 7. Donc le timer, ça va être quand Chun-Li va être choisi par le jeu automatiquement. Ça devrait être dans 3 secondes là. Ah. Sur le premier round, j'ai un excellent pattern. C'est pas garanti pour le deuxième round, donc on va voir. Ok, parfait. Très bizarre. C'est très bizarre, mais c'est passé. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer d'habitude. Donc on va voir avec le prochain combat qu'en fait chaque personnage a sa propre stratégie qui utilise le fait que comment l'intelligence artificielle réagit à mes stratégies. Et donc là je vais mettre dans le coin à chaque fois, attendre qu'il fasse les 1000 mains. Et j'essaie d'avoir le coup de pied, le timing n'est pas évident. Et de toute façon, avec ce setup là, normalement, je ne vais pas me faire toucher. On devrait bientôt atteindre la fin du timer là. Round 2, fight!
Là, on devrait atteindre la fin du timer. Voilà. Le prochain, c'est Dalsim. Dalsim est très bête. Mais comme il est très bête, en fait, il n'y a rien de spécial. Il n'a pas de pattern vraiment très intéressant. Mais il réagit très mal à ses stratégies très stupides. J'ai largement perdu ce round, très très largement. De Yoga Fire. Pas de chance, vraiment pas de chance. Ça devait être serré parce que j'ai pris 3 coups. C'est quand même beaucoup à ce niveau de difficulté. Et ça, c'est pour moi. J'ai pris qu'un seul coup. Alors, Guy, il est très capricieux. Et j'ai besoin qu'il m'aide. Round one, fight! Anik boom! Anik boom! Voilà. Donc là, j'ai une bonne RNG où il a décidé de me charger. Et on va jouer le round au temps. J'ai besoin de ça, d'un deuxième truc comme ça dans l'un des deux prochains rounds. C'est la seule stratégie à date que je connaisse pour avoir une vraie chance de tuer Guy. Avec boom.
sortir. Je crois que j'ai pris que deux Sonic Boom dans la garde. Et ça fait pas assez de dégâts pour compenser le big kick que j'ai fait. Voilà. Je suis pas mécontent parce que il est assez stressant le Guile. Donc là c'est le premier stage bonus de la catégorie. Le prochain combat est malheureusement sans aucun intérêt. Il y aura des choses un peu plus intéressantes à dire plus tard, mais Zangief, l'avantage c'est qu'on peut se reposer dessus. Round one, fight. Le seul truc important, en fait, c'est de bien se voir quels sont mes sauts, quels sont ses sauts, de garder le bon rythme au niveau de mes sauts. Et à partir de là, c'est très très simple. Donc le prochain qui va être beaucoup plus intéressant, c'est Blanca. Blanca en fait est pas très intelligent au début. Par contre, dès qu'on lui donne 5 gros coups de pied, il devient très très agressif. Et donc je vais devoir changer ma stratégie après 5 gros coups de pied. Au début, en gros, il faisait que marcher vers moi et ensuite il a fait des sauts vers moi, il a fait ses boules vers moi. Thank you.
Ryu va ressembler beaucoup à Ken, mais en plus simple. Alors Ken s'est très bien passé, donc ça fait bizarre de dire ça. Mais il est un peu plus prévisible. Round one, fight. C'est bizarre, j'ai eu souvent le middle kick dans la garde et j'ai pas eu le throw qui va avec, c'est un combo très très fort. Bizarre, très bizarre. Très bien parce que j'ai pas très très bien joué ce round là. Là, il est pas au sol, faut pas que j'aille vers le combo. Très très mauvais. Bon, ça va, c'est le premier combat de perdu seulement. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'arrive à avoir le premier combo et pas avoir le suivant, alors que en pratique, quand je joue, c'est toujours le premier qui est le plus difficile pour moi. Je comprends pas. Ça devrait pas se passer comme ça, ça devrait être beaucoup plus fluide. Pareil, quand je me fais toucher, il faut que je récupère le rythme de mes sauts pour comprendre où est-ce que j'en suis. Et j'ai jamais réussi à me relever correctement. Incroyable. Honnêtement, j'ai pas eu une très bonne RNG, donc je m'en sors vraiment bien sur ce combat-là. J'aurais vraiment mérité de perdre un deuxième combat.
Ok, donc, bon, l'estimée est très haute parce que c'est une catégorie qui peut très mal se passer, mais pour l'instant, perdre un seul combat sur les 7 premiers, c'est très très bon. Balrog est très très simple. Oups. Petite erreur qui devrait être rattrapée. Très bizarre comme début. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai commencé pourtant normalement par un backflip d'entrée. J'ai peut-être fait une erreur et seulement fait un saut. Et ensuite, normalement, quand il est dans ce cycle-là, je suis censé le toucher en moyenne tous les 12 à 16 directs du droit. Enfin, oui, l'uppercut là, qu'il est en train de faire donc. Et j'ai enchaîné beaucoup de petits coups à la suite. Ce qui montre que c'était pas le setup habituel. Donc celui-là, il est aussi difficile que Zangief, c'est-à-dire vraiment totalement gratuit. Les trois derniers combats seront pas de ce niveau-là, malheureusement. Ou heureusement pour l'intérêt de la run. Le prochain niveau est donc le deuxième bonus stage où on va devoir exploser la bagnole. Et ensuite vont suivre Vega, Sagat et Bison qui sont beaucoup plus difficiles. Au passage, j'ai perdu qu'un seul combat. Mon record personnel en a perdu 3 au total. Alors il y a de grandes chances de faire des combats dans les 3 prochains, mais je suis quand même sur un excellent pace et potentiellement record personnel. Ok. Donc ce qui est important dans Vega, c'est d'avoir le premier hit, parce qu'ensuite on peut faire ça. Et ce qui est incroyable, c'est que les développeurs n'ont pas pensé que ce serait quand même bien qu'à un moment, quand le personnage il est en retard, qu'il serait peut-être temps de lancer des coups en direction de l'adversaire, et que jamais il va tenter d'aller vers moi malgré que je fasse ça. Donc la difficulté, et c'est un combat qui a demandé beaucoup de travail parce que c'est comment avoir ce premier hit. Et je peux remercier Katoon de m'avoir fourni ce setup avec 3 middle kicks après le wall jump. Il fallait juste trouver les bons timings ensuite pour avoir les bons middle kicks. Je peux quand même me faire toucher, c'est pas garanti, mais c'est quand même très très bien. Ok. Okay. Je donne des petits coups de pied juste pour être sûr que j'atteins bien dans le coin, parce que si je vais de tout à droite vers tout à gauche, il se peut qu'il décide de m'attaquer. Donc il faut juste que je sois safe dans le coin pendant quelques temps et ensuite il m'attaquera plus jamais. Donc excellent encore une fois. Ce combat peut beaucoup plus mal se passer. Notamment sur les deuxième et troisième sauts. Là, j'ai eu sur le deuxième round et troisième saut sur le premier round. J'ai une vraie chance de potentiellement me faire toucher. Alors Sagat, ça dépend grandement de Sagat. Si Sagat décide que je dois perdre le round, je perdrai le round.
Round 1, fight! Tiger! 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 Uppercut! Excellent! Tiger! 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 Excellent! Excellent! Je peux pas avoir mieux que ce genre de truc-là. C'est magnifique. Round 2. Fight. Tiger. 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 C'est incroyable, cette RNG est magnifique, mais je peux pas... Alors, il y a un endroit où j'ai bien joué, c'est que je suis passé de l'autre côté, et ça, je l'ai senti. Quand on est trop, très près de lui, on peut passer de l'autre côté, surtout quand il est proche du bord. Et donc maintenant, il reste Bison, avec une stratégie très propre à lui. Faire un psycho, je passe de l'autre côté. Je pense que j'étais vraiment pas loin. Mais en fin de round, surtout quand il n'a plus beaucoup de vie, il y a des psychos qui ne l'annoncent pas. J'ai eu un douche, donc je passe de l'autre côté. Là, il est en train de faire un psycho, donc on change de côté. Là, je l'ai pas dans le rythme, pareil. Ça devait être limite, hein. Parce que le psycho que je prends, il fait pas de bien. Non, je suis pas encore bien placé. Ah putain. Oh putain! Alors, plusieurs choses sur ce run. Bon, j'en ai parlé, la RNG était très 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 bonne. Le dernier combat contre Bison était pas si bien que ça, dans le sens que j'ai quand même pris quelques coups. Mais il a été très sympa à la fin.
J'ai pu avoir des coups à la fin, ce qui était vraiment pas garanti. Il a pas fait un psycho caché comme il l'a fait sur l'un des rounds, sur la fin du deuxième round. Et ensuite, donc c'est un record personnel, c'est donc aussi un record du monde. Le truc, c'est que quand j'ai préparé cette catégorie et que je me suis entraîné, mercredi, j'ai eu un run en une heure. C'est pour ça que l'estimé d'une heure 20 n'était pas si grotesque que ça, parce que cette catégorie peut vraiment aller très, très, très mal. Et le lendemain, j'ai fait 35 minutes. Et sans mieux ou moins bien jouer, quoi. C'est juste que le jeu avait décidé que j'aurais un meilleur temps. Et là, aujourd'hui, le jeu a décidé que j'aurais un 27 minutes et je l'en remercie. Et je remercie ensuite tout le monde, le public et tout le monde en arrière, l'organisation pour avoir rendu ça possible. Puis merci beaucoup. Oui, record du monde. All right, mesdames et messieurs, donc, je sais pas pour vous autres, mais moi, une chance, j'étais assis parce que c'est ça. Je serais tombé en bas de ma chaise si j'avais été debout. Ouais, je sais, ça fait du sens ce que je dis là. Mais, no joke, on a une run qui est présentement au-dessus de 50 minutes en bas de son temps estimé. Ça veut dire que le marathon prend beaucoup d'avance sur son horaire. Donc, si vous demandez qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'horaire, on va probablement enchaîner. Dans les minutes qui suivent, on va faire le setup pour la course de Randomizer de Link to the Past qui demande un certain niveau technique supplémentaire au niveau du setup. Donc, on prend le temps de bien arranger ça pour Elminster et ACMLM qui vont faire la race de Rando. Et ça se peut qu'on commence par Mario RPG et on va sûrement plugger une run de plus entre Mario RPG et le bloc du Sunday Morning Cartoon pour qu'on retourne à notre plage horaire initiale. Mais soyez sans crainte, on va finir dans les temps, même si on est trop en avance. Ce qui est c'est un beau problème à avoir, je vous dirais. Mais encore une fois, big shout-out. Écoutez tout le monde, pour de vrai, faites du bruit pour Parisian Player, qui est insane. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec la race de Link to the Past. On va peut-être avoir un petit 20-25 minutes de setup. Puis après ça, on continue. Donc, restez des nôtres. Merci beaucoup.